elle est, mon erreur? Parce que je ne t'aime plus? C'est ça, c'est bon? It's like a revelation now, yeah? C'est comme une révélation. That you was not me to introduce, but can I just welcome Pastor Feli from PASA? You know, Pastor Feli, can you just stand up, please? Le pasteur Feli, je vais le présenter aussi. Amen. He's doing one of the great job. Il est en train de faire un bon travail. If you go to Congo, si vous allez au Congo, if you don't pass to pastor, you can't get anywhere. Si vous ne passez pas par lui, vous pouvez arriver nulle part. Amen. Amen. And we thank God for your life. Et nous remercions Dieu pour votre vie. God bless you. Le Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. And I bring the greeting from the church from Australia. Et je vous transmets les salutations de l'église d'Australie. I spoke with Pastor Frank this morning. J'ai parlé avec le pasteur ce matin. And I send a greeting. Et il vous salue. And I bring the greeting from the first lady. Je vous transmets les salutations de la première dame. The one who is always 18 since we've been married. Celle qui a toujours 18 ans depuis que nous sommes mariés. Amen. Amen. The most beautiful young la plus lady. Belle jeune dame. Amen. Amen. And I just send the greeting. He sent the greeting to you guys. Et donc elle vous salue. Amen. Amen. Let us stand up together and we pray. I just want to Est-ce run que nous pouvons nous mettre debout pour qu'on prie? Junior, give me something, please. Junior, est-ce que tu peux me donner quelque chose, s'il te plaît? Go!
Alléluia. Father, we thank you. Père, nous te bénissons. We give you praise and the glory and the honor. Nous t'honorons, te donnons la gloire et l'honneur. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Our Lord and our Savior. Notre Seigneur et notre Sauveur. The King of Glory. Le roi de the gloire. The Lord of Lords. Le roi Seigneur. Father, we thank Seigneur. You for your presence. Seigneur, nous te remercions we pour give ta you présence. All the honor, Lord God. Let ta your gloire. Name be lifted higher. Que ton nom be magnified. Soit be exalted, Lord God. God. For what you're gonna do right now in this place. Maintenant en ce lieu. Jesus. Jésus. Ubarabake shende ya baba. You are the way maker. Tu es celui qui trace un chemin. You are the way maker. Tu es celui qui trace un chemin. And you are the miracle worker, God. Tu es celui qui accomplit des miracles. You are the miracle making God. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Father, we thank you. Père, nous te remercions. The life of somebody in this place. Que la vie de quelqu'un en ce lieu shall be changed. Soit changée. The life of somebody in this place. La vie de quelqu'un en ce lieu shall be changed. Sera changée. And be restored. And be restored in the name of Jesus Christ. Father, we thank you for the family, Lord God. Nous te remercions, Père, pour la famille. We thank you for all the family here in this place. Pour toutes les familles qui sont ici. And we thank you for your healing, Lord God, upon the family. Nous te bénissons pour ta guérison qui est sur les familles. We thank you, Jesus. Te bénissons, nous te remercions, Jésus. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. And the people of God say. Que le peuple de Dieu dise. Amen. Amen. Have your seat, please. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Amen. This is my last message for this year. C'est mon dernier message cette année. If Jesus doesn't come, même next year I will see you. Si Jésus ne revient pas, peut-être l'année prochaine vous me verrez. Amen. Amen. But if Jesus comes, mais si Jésus revient, I'm gonna see you there if you'll make it. Je vous verrai là-bas si vous y arrivez. I don't know about you. Je ne sais pas en ce qui vous concerne. I'd be honest. Je dois être honnête. Amen. 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 You know, on Tuesday I started about something. Le mardi, j'ai commencé à parler de quelque chose. The way God sees the family. La manière dont le Seigneur utilise les familles. And we have a doctor Michaud spoke about the foundation of the family. Nous avons eu le docteur Michaud qui a parlé des fondations de la famille. And we had a daddy Israel spoke about me and my house we shall serve the Lord. Papa Israël a parlé sur le thème moi et ma famille nous servirons l'Éternel. And they say it's a choice. Et il a dit que c'était un choix. Amen. Amen. By today, aujourd'hui, briefly, I want to just submit to you something. Brièvement, je vais vous soumettre quelque chose. How? Comment?
to raise godly children. Comment élever des enfants dans la crainte de Dieu? Amen. Amen. Raising godly children. Élever des enfants qui craignent Dieu. Amen. Amen. You know, when we touch about a family, vous savez, quand on parle de la famille, you know, we talk about the father, we talk about the mothers. Nous parlons des pères, des mères. Since we be speaking here, les saints, since we be here, we are talking about father and mother. Nous parlons depuis que nous sommes là, nous parlons du père, de la mère comme membre de la famille. Let me say to somebody who is here. Mais je vais dire à quelqu'un qui est ici. Maybe you never experienced the love of the father. Beaucoup qui n'ont pas expérimenté l'amour d'un père. Maybe your father passed away a long time ago when you are young. Beaucoup de pères sont morts quand vous étiez jeune. Maybe your dad passed away when you are young. Peut-être que votre père est mort quand vous étiez jeune. Either your mother passed away when you are young. Peut-être votre mère est décédée quand vous étiez jeune. That doesn't mean you are not part of the family. Cela ne veut pas dire que vous ne faites pas partie de la famille. Amen. Amen. Can I say it again, please? Est-ce que je peux dire? Maybe you lost your father in young age. Peut-être que vous avez perdu votre père à un jeune âge. Maybe you lost your mother in young age. Peut-être que vous avez perdu votre mère à un jeune âge. Doesn't mean that you are not part of the family. Mais cela ne veut pas dire que vous ne faites pas partie de la famille. Oh, come on, amen. I will help you to understand. Je vais vous aider à comprendre. Maybe you never know your father. Vous n'avez jamais connu votre père. Amen. Amen. Maybe you never know your father. Peut-être vous n'avez jamais connu votre père. I don't care about which way your mother brought you out. Peu importe la manière dont votre mère vous a élevé. Even though you never know your biological father. Même si vous n'avez jamais connu votre père biologique. Doesn't mean you are not part of the family. Cela ne veut pas dire que vous ne faites pas partie de la famille. Amen. Amen. Even though you are single lady here. Même si vous êtes célibataire ici. You are single lady. Vous êtes une célibataire. With the children. Avec des enfants. Those children, they still have a father. Ces enfants ont toujours un père. Amen. Amen. What I mean here is this. Ce que je veux dire, c'est the word of father, le mot père, which means qui veut dire source of everything, la source de toute chose. And one day, un jour, my daughter was saying to me this. Ma fille m'a dit ceci. She said, Daddy, papa, if I don't have you as a father, si je ne t'ai pas comme père. But I have another father who's more than you. Et j'ai un autre père qui est mieux que toi. Amen. Another father who's able to provide all my needs than you. Un père qui soit capable de pourvoir à tous mes besoins plus que toi. I want to submit to you. Je veux te soumettre. Those who never experienced the love of the father. Ceux qui n'ont jamais connu l'amour d'un père. Those who say, Pastor, but what you are talking about, I'm not part of the family. Ne vous dites pas en vous-même, je ne fais pas partie de la famille. But when you come under the church. Mais quand vous venez à l'église. When the man of God is. Quand l'homme de Dieu dit. Keep in your mind, he becomes your father. Il devient votre père. Amen. Can I help you, please? Est-ce que je peux vous aider? If you never experienced the love of the father in your life, si vous n'avez jamais expérimenté l'amour d'un père dans votre vie, because some children, parce que certains enfants, when they grow up, quand ils grandissent, you know, they run away from their parents, ils fuient leurs parents, très jeunes. Especially in the country we are living like this, spécialement dans un pays comme where celui-ci, the government tries to support. To destroy the family. Là où le gouvernement essaie de détruire les familles. Amen. Amen. And they support more children. Ils supportent plus les enfants. And what happened is this: those children, they are growing themselves without a voice. Ils grandissent sans voix. They are growing themselves without a voice. Ils grandissent sans voix. And what happened is, et ce qui se passe, when somebody shows up by saying, I'm a father, quand quelqu'un se présente en disant je suis un père, it becomes a problem. Ça devient un problème. Amen. Amen. But the church, mais l'église, we have a responsibility. Nous avons la responsabilité. Oh, come on, somebody. The church, l'église, we have a responsibility. A la responsabilité. To show them the way. De leur montrer la voie. Let's go in the word of God, please. Today on va lire la parole de Dieu. We'll be going reading some of the scripture which I'll be trying to lay some of foundation. Nous allons lire un passage pour John, the first one we are reading from the book of John. Donc nous lisons dans le livre de Jean. Chapter 17. Le premier 17. Livre de Jean. Chapter 17. Jean 17. And I will ask you to read. Je vais lire. Read from verse 10, please. À partir du verset 10.
et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Keep reading. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Amen. I say my message I'll be speaking to you is about raising godly family. J'ai dit que je vais parler sur le thème élever les enfants selon Dieu. Amen. Amen. And I'll try to just lay some foundation about Jesus' prayer here. Et je vais mettre le fondement sur cette prière de Jésus. This was a prayer Jesus was making before he died. Ça c'est la prière que Jésus a faite avant de mourir. Jesus began to pray for the disciples. Et Jésus a commencé à prier pour les disciples. And he said, Father, il a dit, Père, I pray not that you take them out of the world. Je prie que tu ne les enlèves pas du monde. But knowing that, mais connaissant cela, they are in the world, qui sont dans le monde, but they are not the people of the world. Mais ils ne sont pas du monde. Wow. That Jesus praying for that. Jésus a prié pour cela. He said, they are there. Il a dit, ils sont là. They are living there. Ils vivent là-bas. But they are not the people of the world. Mais ils ne sont pas du monde. And the Bible says, et la Bible dit, Jesus, Jésus, he didn't just pray for the disciples, il n'a pas seulement prié pour les disciples, but he prayed for those who believe il the disciple word. Pour ceux qui allaient croire en la parole des disciples. No, listen to me now. Écoutez-moi maintenant. We have two world here now. Nous avons deux paroles ici. The two world. Nous avons deux mondes. We have those who are living in the world. Nous avons ceux qui vivent dans le monde. Those who are not of God, ceux qui ne sont pas de Dieu, and we have those who are of God. Et nous avons ceux qui sont de and Dieu. The Bible says this, et la Bible dit ceci, those of God, ceux qui sont de Dieu, they are not the people of the world. Ne sont pas des gens du monde. The world is entire system. Le monde c'est le système entier. Amen. Amen. Entire system, c'est le système entier, which our government, que notre gouvernement has established, a établi, to lead us, pour nous conduire. Now, the Bible says, la Bible dit, entire world, le monde entier, is under the power of darkness, est sous la puissance des ténèbres. And Jesus now, et Jésus maintenant, is going to heaven, il va au ciel. And the Bible says, la Bible dit, is leaving us to live here, il nous laisse ici and sur he terre. Say, we are not the people of the world. Il nous dit que nous ne sommes pas du monde. Which means, ce qui veut dire, we have a mission. Nous avons une mission. Come on. Now look now this. Maintenant, regardez ceci. I'm coming here to show you something here now. Je vais montrer quelque chose. When Jesus was praying, quand Jésus priait, he prayed for the disciples. Il a prié pour les disciples. And the disciples, et les disciples, they are already passed away. Ils sont déjà morts. Oh, come on, amen. Which means, ce qui veut dire, if this prayer, si cette prière, was just for the disciples, a marché pour les disciples, you and I, vous et moi, we are wasting our time. Si elle n'a pas marché pour les disciples, vous et moi, on perd notre temps. The prayer Jesus made, la prière que Jésus a faite, if it was just for the disciples, si c'était juste pour les disciples, you and I, vous et moi, we are wasting our on time. Serait en train de perdre notre temps. You need to understand, vous devez comprendre, Jesus, que Jésus, he didn't just pray for the disciples, n'a pas seulement prié pour les disciples, for everyone, il a prié pour believe. Chacun qui croit. Oh, come on. No, look now. Because Jesus, parce que Jésus, saw that, a vu beyond them, que au-delà d'eux, there is a descendance, il avait une descendance which only come, qui allait and venir, that descendance, et cette descendance must be prepared. Doit être préparée. Now, come on, somebody, man. Suivez-moi. Now, how the descendants are prepared? Comment est-ce que cette descendance est préparée? Through the parents. À travers les parents. Oh, come on, somebody, amen. Amen. How this should be prepared? Et comment est-ce que cette descendance est préparée? Through the parents. C'est à travers les parents. God, Dieu, is not seeking just you. Ne cherche pas juste vous. But God, Dieu, is seeking your seed. Cherche votre descendance. Oh, come on, amen. Amen. Because God knows that. Parce que Dieu if sait. I make a covenant with you, si je fais une alliance avec you toi, die. Tu vas mourir. But what you have learned from him, you're gonna pass appris, it on for those who are following you. À ceux qui te suivent.
Are you following me now? Est-ce que vous me suivez? I just want to show you something. Je vais vous montrer quelque chose. Which is very important. Qui est très important. The world we are living today. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Is under the power of darkness. Est sous la puissance des ténèbres. Entire system. Le système entier. Is so corrupted. Est tellement corrompu. You know what's happening today around the world. Vous savez ce qui se passe dans le monde. You know. Vous savez. There is a discrimination. Il y a une discrimination. There is a racism. Il y a du racisme. There is all those kind of bad stuff are taking place around the world. Il y a beaucoup de choses mauvaises qui se passent dans le monde. But you and vous, I. Et moi. As a children of God, en tant qu'enfants de Dieu, we have a responsibility nous avons la responsabilité to train our children d'élever nos enfants to face à faire face this world. À ce monde. Oh, come on. I will help you now. Est-ce que vous savez? Do you know that if we fail, vous savez, si nous échouons to train our kids, d'élever nos enfants, the gospel l'évangile will fail. Va échouer. Oh, come on, amen. Est-ce que quelqu'un peut if dire our gospel today si notre évangile aujourd'hui is not able to impact our children, n'est pas capable d'impacter nos enfants from not 20 years, jusqu'à 20 ans we'll compromise the gospel. Nous allons compromettre l'évangile. I'm coming to show something now. Donc je vais vous montrer quelque the chose. World we are living now, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. If you look the way the things are going now, si vous voyez comment les choses se passent the maintenant, people are going far from the Lord. Les gens s'éloignent du Seigneur. But you and I, mais vous et moi, we have a father. Nous avons un père. Nous sommes des pères. We have a father. Nous avons des pères. Which can help us qui peuvent nous aider. To face. À faire face. Of what's taking place there. À ce qui est en train de se mettre en place. And to show the rest of the world et pour montrer au reste du monde that God is real. Que Dieu est réel. Amen. Amen. But God is real. Que Dieu est réel. That's why Jesus, c'est pour ça Jésus he prayed. A prié. Jesus didn't want the kingdom to finish in the time of the apostles. Jésus ne voulait pas que le royaume s'arrête au temps des apôtres. But Jesus was looking to extend his kingdom even though after the apostles, but the kingdom still keep going on. Jésus voulait que même après les apôtres, le royaume continue à s'étendre. And how the kingdom will go? Mais comment est-ce que le royaume va s'étendre? The kingdom will go. Comment? Through the children. Ce sera à travers les another enfants. Another generation. Une autre génération. Oh, come on, amen. Amen. And your generation. Et votre génération. And my generation. Ma génération. We are the people God is looking right nous now. Nous sommes les gens que le Seigneur cherche maintenant. Amen. Amen. Look about corruption around the world. Look about corruption around the world. Regardez la corruption qui se passe dans le monde. Look about what's happening just here in, you know, when you look about politically. Si juste vous voyez ce qui se passe au niveau politique. You understand. Vous comprenez. Watch news. Les nouvelles. Nothing quel est, is good. À quoi bon? Rien n'est bon. In America. En Amérique. In Europe. En Europe. In Africa. En Afrique. We have something to offer. Nous avons quelque chose à offrir. The world we are living. Le monde dans lequel nous vivons. Under chaotic. Il est dans un état chaotique. We have a product. Et nous sommes le produit. We have a product. Nous avons un produit. For the solution. Pour la solution. Of the world. Du monde. Oh, come on. Can I say it again? Est-ce que je peux le dire you encore? And I, vous et moi. We are the solution. Nous sommes les solutions. Because the Bible says. Parce que la Bible dit. The world. Le monde. Is under darkness. Est sous les But ténèbres. Jesus say, mais Jésus dit. You are the light. Mais vous êtes la lumière darkness, dans come les on, somebody. Ténèbres. Now you need to understand. If I give you one example here, je vais vous donner un exemple. The light, la lumière, will not shine, ne peut pas briller, where another light is. Là où il y a de la lumière. Can I bless somebody, please? Est-ce que je peux bénir quelqu'un? If you turn light where the light is, si vous mettez en marche la lumière là où il y a la lumière. Will not impact anything. Vous n'impactez rien. But we need the light. Mais nous avons besoin de la lumière. Where the darkness is là où there. Il y a oh, les ténèbres. On. Come on, amen. We need the light. Nous avons besoin de where la lumière. Where the darkness is there. Là où il y a les you ténèbres. You need to understand. Vous devez comprendre. The society you are living dans laquelle is under darkness. Dans les ténèbres. And what God wants for you. Ce que Dieu veut. To be a role model. C'est oh, come que tu on, sois somebody. Un modèle. To be a role model. Être un modèle. Because parce que you are the way maker. Tu es celui qui trace un chemin. Ah, come on.
You are the way maker. C'est toi qui traces a le chemin. Role model. C'est toi le modèle. Is a person. Le modèle, c'est quelqu'un who make the way qui trace un chemin. People, là où d'autres personnes able to follow. Vont être en mesure de suivre. We are getting somewhere. Nous sommes en train d'aller quelque part. Amen. Amen. Now look now. Regardez maintenant. This is what my Bible said to me. Voici ce que ma Bible me dit. How we should raise now our children. Comment devrions-nous élever nos enfants? In this society. Dans cette société. Which is so broken. Qui est tellement brisée. And the enemy. L'ennemi. Is targeting entire society. Dans le collimateur la société entière. When we look about what is taking place even in the church. Quand nous voyons même ce qui se passe dans l'église. We see that the society nous voyons is que broken. La société est what brisée. Is happening in the church reflect about what is going outside there. Ce qui se passe dans l'église reflète ce qui se passe et qui traverse ce qui va dans le monde à l'extérieur. Do you know that in a country like France? Est-ce que vous savez que dans le most of people who live here, ici en France, la plupart des gens qui y vivent, they can be raised up the attitude of rebellion without knowing. Ils développent une attitude de rébellion sans le savoir. Amen. Est-ce que why? Because the spirit of this country. Pourquoi? Parce que l'esprit de ce pays is built according to rebellion. Est construit sur la rébellion. That's why we see even the children in the house. C'est pour ça que vous voyez que même les enfants à la maison. They are able to stand against their father and their mother. Ils sont capables de tenir tête à leur père et à leur mère. It's a spirit. C'est un esprit. But us now. Mais à partir de maintenant. We have another spirit. Quand il y a un autre esprit. For us. Pour nous, as a Christian people, en tant que chrétiens, our kingdom, notre royaume, our family, notre famille, it built doit être, by the spirit of obedience. Doit être bâti sur l'esprit d'obéissance. Amen. Oh, come on, amen. Amen. My family, ma famille. I say my family, ma famille. As a church, en tant qu'église, was built a été bâti by the spirit sur l'esprit of submission, de la soumission, obedience, obéissance et sacrifice. Oh, come on, amen. But the nation we are living, la nation dans laquelle nous vivons est bâtie sur l'esprit de l'opposition, l'opposition, oh, come on, amen, and rebellion. De la rébellion. No, don't be astonished. Ne soyez pas étonnés when your children, quand vos enfants in the house, dans la maison, they are standing against you. Ils vous tiennent tête. Oh, come on, amen. It's a spirit. C'est un esprit. You know, my sister was saying to me, ma soeur me disait where she live, là où elle vit. There was one of the girl, il y a une fille 21 years old, de 21 ans and, she was living by herself. Elle vivait seule. Just like in Europe, when you turn 18, you think like you are already grow up. Comme ici en Europe, quand on a 18 ans, on pense qu'on est suffisamment grand. I want to live by myself. Je veux vivre par moi-même. To do what? Pour faire quoi? Where you want to live alone? Pourquoi tu veux vivre seul? As long as your mom and dad are there. Aussi longtemps que ton père et ta mère sont là. That is not godly. C'est pas de Dieu. It's a rebellion attitude. C'est une attitude de rébellion. If you are here, si vous êtes ici, and you are running away from your parents, et vous fuyez vos parents, your life so short. Votre vie elle est courte. I'm telling you, your life je so vous short. Dis, votre vie est courte. I say your life so short. Je dis, votre vie est courte. Because the Bible says, parce que la Bible dit, the promise of long life, la promesse d'une vie longue, is by honoring your father and your mother. Est attachée à l'honneur de ton père et de ta mère. Now, if you are not submitting yourself to them, donc si tu ne te soumets pas à tes parents, you are failing. Tu es en train d'échouer. Even in the ministry wise, même au niveau ministériel, you need to have somebody. Tu dois avoir quelqu'un. Who's like your father? Qui est comme ton père? Who's able to speak to you? Qui est capable de te parler? Why today in the church? Mais pourquoi aujourd'hui dans l'église? We see a lot of scandal. Nous voyons beaucoup de scandales. Why? Pourquoi? Because the people that themselves minister Shadek. Parce que les gens sont des Melchizedek. Oh, come on, amen. I don't have a father. J'ai pas de père. I don't have a mother. J'ai pas de mère. I was born by myself. J'étais and everything by myself. Par moi-même et tout et par moi-même. Amen. Amen. You need somebody tu as besoin who de quelqu'un look at you, say, qui te regarde et qui te dit sir, fils, fille. What you are doing ce que tu fais is not correct. N'est pas correct. Even though the law allow you to do it,
Even though the law of the nation Même allows si la it loi to du pays te permet de le faire. But if the Mais word of God si la parole de Dieu is not allowing you, ne te le permet pas, check it out. Vérifie bien. Look in the church today. Regardez l'église aujourd'hui. How many rebellion people we have in the church? Combien de personnes rebelles nous avons à l'église aujourd'hui? Do you know that if you want to see a lot of hypocrite people? Si, vous savez que si vous voulez voir où sont les hypocrites? Not outside. C'est pas dehors, hein? In the church. C'est dans l'église. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Just get out of here. Sortez seulement après qu'ils aient fini de chanter. Here, ici, yes, no, yes, oui, on chante, yes. On danse. But there, quand on sort, I'm gonna show you. Je vais te montrer, tu vas voir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Now look now what the Bible says. Regardez ce que la Bible dit. I want to give you about six principles how you should raise up your children in the house. Je vais parler de six principes sur la manière d'élever les enfants à la maison. Now, number one. Hein? Number one, I want to share with you is. Premièrement. As a father. En tant que père. Can you just read for them from our first Ephesians chapter 5 verse 1, please. Ephésiens 5 verset 1. 5 1. Ephésiens 5 1 to 2. Cinq à partir du premier verset. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Amen. These two things here now. Voici deux the Bible choses. Says, la Bible dit, be imitator of Christ. Soyez imitateurs de Christ. Me as a parent, moi, en tant que parent, I'm the one who's supposed to set example to my children. C'est moi qui dois montrer l'exemple à mes enfants. If you are a parent here, si tu es un parent ici, how our children they learn to behave? Comment est-ce que les enfants vont se comporter? How they learn to behave? How comment they ils learn? Apprennent à se comporter? The way they see us. C'est la manière dont ils nous voient. Do you know it is easily for you to teach your children to lie without knowing? Est-ce que tu sais que c'est possible d'apprendre à ton enfant à mentir sans le savoir? I will give you an example. Je te donne un exemple. Somebody call you on telephone. Quelqu'un t'appelle au téléphone. And you give to your children. Et tu donnes à ton enfant. Tell him I'm not there. Et tu lui dis qu'il réponde que tu n'es pas là. Oh come on, amen. Amen. You are sowing a seed. Tu es en train de semer une semence. And you don't know. Et tu ne sais pas. What you did. Ce que tu as fait. One day. Un jour. Your own son or your own daughter will lie to you. Ton propre enfant, ta propre fille, te mentira aussi. And you will ask, where did you learn about this? Et tu vas lui dire où est-ce que tu as appris ça? Because et c'est parce que you told him that. Toi tu lui as appris ça. Oh come on, amen. Amen. Another example. Un autre exemple. If you as a parent, si toi en tant que parent, you have big mouth, tu as une grande bouche. A gossiper. Tu es quelqu'un qui calomnie. Before your children, devant tes enfants, you are gossiping other people. Tu parles mal d'autres personnes. What they learn? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Oh, come on, amen. Dites-moi. When they go out, quand ils sortent, they will do the same things. Ils vont faire exactement la même chose. For you and I, pour toi et moi, to raise our children, pour élever nos enfants, in godly way, dans une manière we selon need to Dieu, be the example. Nous devons être des exemples. What they see, ce qu'ils voient, is what they get. C'est ce qu'ils ont. Amen. Amen. Be a role model. Soyez un modèle. Amen. Amen. Be a role model for your children. Soyez un modèle pour vos enfants. In the church. À l'église. I can't come here. Je peux pas venir ici. And preach to you. Et prêcher. Follow my preaching and don't follow my life. Et sur ma vie. No, no, no. I will not preach to you. Follow my preaching and don't follow my life. Ah, je peux pas vous prêcher quelque chose que je ne fais pas dans ma vie. Amen. Amen. I can't preach to you that, you know, I'm not here to say to you, just listen to me, but not mine. No, what I say is what I live. Je ne suis pas là pour vous dire, écoutez-moi seulement, mais ne regardez pas ce que je fais. Non. Amen. Ce que je dis, c'est ce que je vis. Amen.
Oh, come on, amen. Because amen. I'm a father of many. Parce que je suis un père de plusieurs. I'm called to be a role model. Je suis appelé à être un the modèle. Bible says, la Bible dit, I must be the one who imitated Christ. Je dois être celui qui imite Christ. Oh, come on, amen. When the people sees me, quand les gens me voient, they must see Jesus in my life. Ils doivent voir Jésus dans ma vie. The way I talk, la manière dont je parle, the way I move, la manière dont the je me comporte, upon me. L'amour que j'ai. Amen. Amen. Number two is here now again. A father, aussi un père, or a mother, ou une mère, is a person, c'est une personne, who's able, qui est capable, to create an atmosphere of peace in the house, de créer une atmosphère de paix dans la maison. A son of mine, un de mes fils, in one of our church, de l'église, one of our church, dans l'une de nos églises, is getting a divorce, est en train de divorcer. He's a pastor. C'est un pasteur. A great man. C'est un grand homme. And he married this lady. Et quand il s'est marié avec cette femme, who's a troublemaker. C'est une femme qui cause des troubles. Amen. Amen. I'm telling you the true story. Je vous dis la vérité. When you enter in the house, quand nous sommes entrés dans la maison, you can't get out well. Quand tu entres, tu ne peux pas sortir bien pourtant. And one day, un jour, I went to visit them. Je suis allé les visiter. I was staying in the hotel. Je restais à l'hôtel. He came to see me. Il est venu me voir. I said, it's already 2 a.m. Je lui ai dit, mais il est déjà 2 heures du matin. Go back home. Rentre à la maison. Say, Daddy, il a dit, papa, let me be here. Laisse-moi rester ici. When I go back, quand je rentre là-bas, no trouble. C'est juste des problèmes. Do you know that? Est-ce que vous savez que some of people are not connected to you. Certaines personnes ne viennent pas près de vous because of your character. À cause de votre caractère. You need to check and evaluate your character. Vous devez vérifier, évaluer votre caractère. Amen. Amen. Check your character. Vérifiez votre caractère. Do you think that everything you do is right? Est-ce que vous pensez que tout ce que vous faites est bien? Oh, come on. Amen. Amen. Check yourself. Examinez-vous. A father, un père, who are raising godly children, qui élève des enfants selon Dieu, is a person, c'est une personne, who's able to protect his house, qui est capable de protéger sa maison. Can I say to you this, please? Est-ce que je peux vous dire ceci? A father, un père, who are raising godly children, qui élève des enfants selon Dieu, you're able to protect your house. Doit être hypocrite. Ça, c'est là où commence l'hypocrisie. I told you last Tuesday. J'étais là mardi dernier. I told you last Tuesday. Je vous ai dit mardi dernier. How I deal with my kid. Comment je me comporte avec mes enfants. And I believe that my first church. Et je pense que ma première église. Is my children. Sont mes enfants. You know, since we've been in ministry. Vous savez, depuis qu'on est dans le ministère, maintenant plus de 36 ans, I know a lot of people who come and they go. Je vois beaucoup de gens qui viennent et qui partent. But my children, et mes enfants, they never go. Ils ne partent jamais. Men of God, hommes de Dieu, raise up your children. Élevez bien vos enfants. Give them right time. Donnez-leur du temps. Everyone come, daddy, 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 daddy. C'est vrai, tout le monde vous dit papa, papa, mais un jour, the same mouth who say daddy, la même bouche qui a dit papa, and the same mouth who say you are not a good daddy, qui va dire que vous n'êtes pas un bon père. You know, I heard a lot about those things. J'ai vu beaucoup de ces choses. When your everything is going good, quand tout va bien, they celebrate you. On vous célèbre. Oh, you are good dad. Vous êtes bon. You are good dad. Vous êtes bon. But when they move out of the church, mais quand ils quittent l'église, check their Facebook. Il faut regarder sur leur Facebook. My goodness. Mon Dieu. Don't even go there. Il faut même pas aller là-bas. Come on, somebody. Amen. Amen. How to raise a godly family? Comment élever une famille selon Dieu? The Bible says this. La Bible dit. From Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7. Deutéronome 6, verset 6. To 7. Jusqu'à 7.
et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Now look now. This is what Moses tried to remind the children of Israel. Voici ce que Moïse rappelait aux enfants d'Israël. The commandment I'm giving you today. Les commandements que je vous donne aujourd'hui. You must reinforce it. Vous devez les forcer. To your children. À vos enfants. No, listen to me now. Écoutez-moi maintenant. He said you need to reinforce it. Vous devez les renforcer. By force. Vous devez les apprendre par force. I will help you. Je vais vous aider. I want. J'ai besoin. Okay, bring me this boy, please. Amenez-moi ce jeune garçon. Come here, baby. Good. Don't scare you. Now bring me another one for five years. Un autre de 5 ans. 5 years and 10 years. 5 et 10 ans. Deux enfants and de 5 et 10 ans please. Et 13 ans. 3 ans, 3 enfants. 5, 10 et 13 ans. Quick please, quick please. Rapidement s'il vous plaît. How old are you? Quel âge? 13 ans, OK. Come here. OK. Wow. Are you okay? Please. I want to show something quick please. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Quick, quick, please. Rapidement, s'il vous plaît. Ok. Viens, 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 viens. Ça va, fils? Ok, mets-toi ici. Et toi, mets-toi ici. Regarde maintenant. Look now. How many children we have here now? Combien d'enfants avons-nous ici? This one. Celui-là. In this age. À cet âge. As your parent. As a parent. En tant que parent. You are able. Tu es capable to train him. De l'enseigner. Oh, come on, man. Oui. Because everything you say to him, tout ce que tu lui dis, will be able to accept it. Il va être capable de l'accepter. Because only voice he knows. La seule voix qu'il connaît. Your voice. C'est ta voix. Until now. Jusqu'à ce que. He never goes out. Il ne sorte pas. Amen. Until now. Jusqu'à ce que he never goes out. Il sorte. Now when the Bible says. Ce que la Bible dit. As a parent. C'est qu'en tant que parent. Train your children. Enseignez vos in enfants. In the young age. Dans leur jeune âge. It's the correct age for you. Ça c'est l'âge correct. Begin to prepare your children. Commencez à préparer vos because enfants. Because tomorrow. Parce que demain. There will be the father. Ils seront des pères. Oh come on man. Amen. Don't just look him as a baby. Ne pensez pas qu'il c'est un bébé. He's a man. C'est un homme. He's a father. C'est un père. There is a kid beyond him. Il a un jeune. There is a children beyond him. Il y a quelqu'un there's au-delà children. De lui. There's il y a des children. Enfants derrière lui. Amen. Now when he grow up now. Quand il va grandir. What he learned from the father. Ce qu'il a appris de son père. Is what you bring from the children. C'est ce qu'il va transmettre now, à ses enfants. If you as a father. Mais si vous en tant if que père. If you as a mother. Si vous en tant you que fail mère. To raise this up. Vous n'arrivez pas à the bien le lever. The society we are living tomorrow. Gonna be broken. Va because, être brisée. Oh, come on somebody. Now come on amen. Many parents. Beaucoup de parents. We are contributing. Ont contribué. For the failure of our society. À l'échec de notre société because we are not educated our children well. Parce que nous n'éduquons pas bien nos enfants. Go. This one. Maintenant celui-ci. The age of reason. L'âge de la raison. Oh come on man. If I say you have to do this, why? Pourquoi je dis pourquoi je fais ça? If I say you have to do this. Quand je lui dis fais, il me dit pourquoi? Why? Pourquoi? Amen. Oh come on man. Oui. This age is the age of why. Ça c'est la l'âge de pourquoi. Why? Pourquoi? You need explanation. Vous devez expliquer. Oh come on, amen. C'est vrai? Why? Pourquoi? Now, if you are already missed. Si vous avez déjà manqué. On that age there. À cette étape là. You reach this age. Et vous arrivez à cette you étape. You begin to say, this boy he never listened. Vous allez commencer à dire que cet enfant est têtu. Is not you are the one. Il n'est pas têtu, c'est vous qui avez échoué. Oh come on, amen. Amen. Oh come on, man. Amen. As a parent, en tant que parent, be able vous devez être capable to know your children. De connaître vos enfants. And the Bible said, la Bible train dit, them now. Now in this age now, enseignez-les maintenant. If you are already trained him, si vous l'avez déjà bien éduqué age, à cet âge-là, il arrive à cet âge, il commence à connaître la Bible.
This age now, à cet âge, is more public age. Ce n'est plus un âge public. C'est maintenant un âge public. Is able to go to school. Il peut aller à l'école. He will meet more people there. Il va rencontrer d'autres personnes là-bas. If he never be trained home, s'il n'a jamais été enseigné à la maison, he will take what is outside, il va prendre ce qui est à l'extérieur bring it to the house. Et il va amener ça à la maison. And you will ask him, et vous lui poserez la where question did you learn about this? Où est-ce que vous avez appris from ça my friend. De mes amis. Go. This age now. Maintenant cet âge. Facebook age. L'âge de Facebook. How many parents? Combien de parents? They don't check even the telephone to see what's happening. What ne vérifient même pas ce que leurs enfants font sur les téléphones. Most of parents in Western country. Beaucoup de parents dans les pays occidentaux. They use iPad. Utilisent des iPads. Téléphone. Des téléphones. They give to their kids. Ils donnent à leurs enfants. Because they want to run away from their responsibility. Parce qu'ils veulent fuir leur responsabilité. Go and play there. Allez, va jouer. And your children, votre enfant, in this age now, à cet âge maintenant, he began to be connected, il va être connecté outside people, aux gens and you are not aware of that. Et toi, tu n'es même pas au courant. And you think by buying them telephone and iPad you love them? Vous pensez qu'en leur achetant des téléphones et des iPads vous les aimez? You exposing them. Vous les exposez. You are exposing vous the generation. Vous exposez la génération. You exposing the generation. Vous exposez la génération. Now, in this age now. À cet âge. How many parents are here? Can combien de parents? Est-ce que je peux voir vos mains, les parents qui sont là? Do you know that in this age? Vous savez qu'à cet âge. If you say to your son or your daughter in this age. Si vous dites à votre enfant à cet âge. Let us go to visit my friend. Allez visiter un de mes amis. He will say to you no. Il va te dire non. I want to stay home. Il a dit non. Amen. You say no. Il va dire non. Say why? Pourquoi? Si tu lui poses la question. He said to you, boring is there. Il a dit non, je vais m'ennuyer. Oh, come on, amen. Come on, amen. C'est vrai. Why? Pourquoi? Because you never build a strong connection and a relationship with your son and your daughter. Parce que vous n'avez jamais construit une relation solide et forte avec votre fille ou votre fils. I will show you something here before je vais vous dire close. Quelque chose avant que nous puissions nous arrêter. This is, 10 ans. He's 10 years old. Il a 10 ans. He goes to school for 5 days a week. Il va à l'école pendant 5 jours la semaine. Parents, let us look at this now. Parents, voyons. 5 look jours at la this semaine. Now. What time does that school here? What time you finish? My goodness. Is the parent not looking now? Maintenant en tant que parent. It does start school from 8 o'clock. Il commence l'école à 8 heures. Okay. Now, which means he has to leave home maybe 7:30. Qui doit quitter la maison à 7h30 peut-être. Amen. Oui. Then he went to school. Il va à l'école. He come back home. Il rentre à la maison. 4 o'clock. À 16h. Or 4:30. 16h30. Come on, amen. Oui. Now you a parent. Vous parent. You are working. Vous travaillez. You go to work. Vous allez travailler. And you finish yourself 4 o'clock. Et vous finissez à 16h aussi. And you come back home. Et vous rentrez à la maison. You are tired. Vous êtes fatigué. Only time you're gonna see your boy say hello, that's it. Vous allez juste dire bonjour à votre enfant. He's on television. Il sera à la télé. On iPad. Sur l'iPad. And you don't know what happened. Et tu ne sais pas ce qui se passe. From 5 days. Pendant 5 jours. 8 hours. 8 hours. Oui, pendant 8 heures par jour. He's learning outside. Il apprend à l'extérieur. They are building him. Et on le construit. They are developing his character. On développe son caractère. And that character which needs the deep word of God. Et ça, ce caractère, c'est celui qui a besoin de la volonté de Dieu. The word of God. The word. Il a besoin de la parole de Dieu. And he's empty. Et il est vide. Because you and the parent, parce que toi, en tant que parent, you are giving job to the pastor. Tu donnes du travail au pasteur. Can I be nice to you? Est-ce que je peux être bon envers vous? I'm not responsible to your child. Je ne suis pas responsable de vos enfants. You are the pastor for your house. Vous êtes le pasteur de votre maison.
You must be a pastor for your family. Vous devez être un pasteur pour votre famille. You need to understand that you don't want them to fail. You need to prepare them because when they are going out, they know what they are doing. Vous devez les préparer pour que quand ils vont à l'extérieur, ils sachent ce qu'ils sont en train de faire. In this age, à cet âge, he's coming to the church. Il vient à l'église. Because you are bringing him. Parce que vous l'amenez. Oh, come on, Amy. Oui. You go sit. No, when they reach this age maintenant, now, quand ils ont cet âge, 13 or 15, 13 ans ou 15 ans, ask them come to church. Demandez-leur de venir à l'église. Say, ah. Non. Why? Pourquoi? Because they didn't find anything interesting in the church. Ils trouvent rien d'intéressant dans l'église. Oh, come on, man. Oui. The first church. La première église. Is your house. C'est ta maison. If you train your children si tu élèves in the tes house, enfants à la maison, you prepare them. Tu les prépares. When they come in the church, quand ils viendront à l'église, they become contributors. Ils vont venir contribuer. Amen. Amen. They become contributors. Ils vont venir contribuer. You need to teach them from home. Tu dois les enseigner à la maison. Teach them the word of God. Et enseigne-leur la parole de the Dieu. Bible says, la Bible dit, Moses, Moïse reminded the children of Israel, a rappelé aux enfants d'Israël, train them, enseigne. Read it, please, before I finish with this young boy. Deutéronome 6, verset 6. Yeah, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Wow. Keep reading. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand spending tu iras, time now. The Bible says you need to write it. Tu dois inculquer. And them too, you need to spend time and talk to them. Et tu dois passer du temps à parler avec eux. How many parents are combien here? De parents sont ici? Who spend quality time with their children? Qui passent du temps, des moments de qualité avec leurs your enfants. Your business has take place of your children. Vos affaires ne peuvent pas prendre la place de vos enfants. Your job has take the place of your children. Votre travail a pris la place de vos enfants. Now your children are living with orphan hearts. Maintenant vos enfants vivent avec un cœur d'orphelin. Amen. Amen. The father is in the house. Le père est dans la maison. But the children feel like the father never be there. Mais les enfants ont le sentiment que le père n'est pas là. How shame and embarrassing it is. Quelle honte et combien c'est embarrassant. When your children say to you, quand vos enfants vous disent, you never be there for me. Tu n'as jamais été là pour moi. When I need you, quand j'ai besoin you de toi, never be there for me. Quand j'ai besoin de toi, tu n'es jamais come là. Come on, somebody. As a parent, en tant que parent, as a children, en tant qu'enfant, we need to know nous devons savoir how to lead ourselves comment vivre according God's way. Selon Dieu. We are preparing the next generation. Nous préparons la future génération. Who knows? Qui sait? This man could be a pastor. Cet homme peut être un pasteur. Could be apostle. Ou l'apôtre. Prophète. Prophète. A president. Président. A billionaire. Millionnaire. Who knows? Qui sait? Oh, come on, somebody. Oui. But depend about the education now you are giving to them. Tout dépend de l'éducation que tu lui donnes maintenant. How you are preparing your children? Comment prépares-tu tes enfants? How you are preparing your children? Comment tu prépares tes enfants? Do you know the friend of your children? Est-ce que tu connais les amis de tes enfants? Do you know who's the one your children are hanging around with? Est-ce que tu sais avec qui tes enfants traînent? Oh, come on, amen. Amen. And the Bible say, et la Bible dit, as a father, en tant que père, you have to spend time with them. Tu dois passer du temps avec eux. When he finish this age, quand il dépasse cet âge, I need somebody of 18 years now. J'ai besoin de quelqu'un de 18 ans maintenant. 18. 18. Who's 18 again? Qui a 18 ans? Come quick, please. 18. Just need one 18. Are you 18? Now, this is a dangerous age now. Ça, c'est l'âge dangereux. Amen. Amen. Now, even the Bible, I'm telling you the truth. Même dans la Bible, je vous dis la vérité. This age, à cet âge, is the age that begin to discover themselves. C'est l'âge où on commence à se découvrir. This age, c'est l'âge they begin to believe I'm old enough. Où ils pensent qu'ils sont suffisamment adultes. This age, c'est l'âge this age they say that I can do it by myself. Où ils disent qu'ils peuvent faire les choses par eux-mêmes. But you will miss them. Mais vous allez les manquer. If you didn't prepare them young age. Si vous ne les avez pas préparés plus jeunes.
You know, my daughter, ma fille, she have a telephone. Elle a un téléphone. When she turned 18. Which? She turned 18. Quand elle a eu 18 ans, elle a eu un téléphone. Which means since he saw all the friends with iPad, whatever I say, blessing until you'll be 18. Elle voyait ses amis avec des iPads et des téléphones. Je lui ai dit, attends jusqu'à tes 18 ans. And when he was at high school, et quand elle était au collège, I said to him, your email will be my email. Je lui ai dit, on va s'écrire par email. Your email will be my email. Je lui ai dit, ton email sera mon email. And my email will be yours. Et je lui ai dit que mon email sera le tien aussi. Everything they send to you, tout ce qu'on t'envoie, come to me. Viens à moi. Come on. And he said to me, "Dad, you can't do that." Il a dit, papa, tu peux pas faire ça. I said yes. Je lui ai dit oui, je vais this le faire. What the Bible said to me to do. Je lui ai dit c'est ce que la Bible me dit de faire. And until when he reached 18. Et jusqu'à ce qu'il ait les 18 ans. I will give him a phone. Maintenant, je lui ai donné un téléphone. Amen. Amen. And I say, je lui ai dit. Even I give you a phone. Même si je te donne un téléphone. Doesn't mean you are free. Ça ne veut pas dire que tu es libre. As long as you are under my house. Aussi longtemps que tu vis dans ma maison. You're still under my authority. Tu es toujours sous mon autorité. And I said to her. Et je lui ai dit. The day you will live in my house. Le jour où tu quitteras ma maison. The day you get married. C'est le jour où tu vas te marier. Don't even dream. Je lui ai dit ne rêve même pas. Oh, Dad, I'm going to buy my house myself. Oh, je vais acheter ma propre maison. I'm going to live by myself. Je vais vivre par moi-même. Don't even dream about that. Ne rêve même pas de ça. If you dream about it, si tu rêves de ça, cast it out in the name of Jesus. Chasse ce rêve dans le nom de Jésus. I just want to show something here now. Et je vais montrer quelque you don't chose. Understand. Vous devez comprendre. She's a woman. C'est une femme. And she needs to learn how the woman live. Elle doit apprendre comment une femme vit. Amen. Amen. What blessing sees? C'est que blessing the voit. The way she sees me living my wife. La manière elle me voit vivre avec mon épouse. With a mother. Avec une mère. That's how the voice she will take when she gets married. C'est ça qu'elle va copier quand elle va se marier. Now, if she began to live alone. Mais si elle va vivre seule. Where she will learn? Où est-ce qu'elle apprendra? She becomes a dangerous person in a relationship. Elle devient une personne très dangereuse dans les relations. Where we have a lot of problems in the marriage. Pourquoi nous avons des mariages problématiques? Because some people they never grow up with the father or with the mother. C'est parce que beaucoup de gens ont grandi sans père et sans mère. When they come in the church, et quand ils viennent à l'église, we want to train them. Quand on veut les enseigner, to have another voice. Pour qu'ils aient entendu notre voix. I was brought up like this. Ils disent, bah, moi, on m'a élevé comme ça. Yes, that was your mother. C'était votre mère, d'accord. Yes, that was your father. Très bien, c'était votre père. That is not what the Bible says. Mais c'est pas ce que la Bible dit. Thank you. Merci. Now, let me calm down now here now. Bon, maintenant, je vais conclure. The Bible says this. La Bible dit. To raise godly children. Pour élever des enfants selon Dieu. A parent. Un parent. You have to be a role model. Doit être un modèle. You have to know how to talk to your children. Doit savoir comment parler à ses enfants. A parent. Un parent. Is a person who defends his house. Doit défendre sa maison. A parent. Un parent. Has to develop time, quality time with the children. Doit développer des moments de qualité avec ses enfants. Amen. Amen. Don't let your job. Ne laissez pas votre travail, votre emploi. To affect your relationship with your children. Affecter votre relation avec vos enfants. Your children, vos enfants, they need you more than job. Ont plus besoin de vous que vos emplois. Your children, vos enfants, they need you more than money. Ont plus besoin de vous que de l'argent. If we are looking to change the society we are living today, si nous voulons changer la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, let us begin to prepare our children. Commençons à préparer nos enfants. Amen. Amen. Oh, come on. If you and I, we can't change it. Si vous et moi, nous ne pouvons pas changer but ça. But train our children. Enseignons, éduquons nos enfants. Raise them up as the leader. Élevons-les comme des leaders. Because tomorrow. Parce que demain. They will lead the nation. C'est eux qui vont diriger la nation. Now, if today. Aujourd'hui. You leave this place. Si tu quittes ici. What you learn.
qu'est-ce que tu vas apprendre? Qu'est-ce que tu auras appris? As I said to you in the beginning, comme je vous ai dit au début, maybe you lost your mother. Peut-être vous avez perdu votre mère. Doesn't mean you are not part of the family. Cela ne veut pas dire que vous ne faites pas partie de la famille. Maybe you lost your father. Peut-être vous n'avez pas eu de père, vous l'avez perdu. Doesn't mean you are not part of the family. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas partie intégrante de la famille. Maybe you are living alone. Peut-être vous vivez seul. Doesn't mean you are not part of the family. Cela ne veut pas dire que vous ne faites pas partie de la famille. You still have big family. You still have big family. Vous avez encore une grande famille. Your family could be the church. Votre famille pourrait être l'église. Your dad could be the pastor. Votre père pourrait être le pasteur. Your mother could be the first lady. Votre mère pourrait être la l'épouse du pasteur. Go and submit yourself. Allez, soumettez-vous. Say, I want to learn. Dites, je vais apprendre. How to live well. Comment bien vivre. And to be relevant in society. Et pour être important, avoir de la valeur dans la société. Because parce que you are the light. Vous êtes la lumière. You are the light in the darkness. Vous êtes la lumière dans les ténèbres. Children, les enfants, submit yourself to your parents. Soumettez-vous à vos parents. Obey your parents. Obéissez à vos parents. Don't let the European education ne laissez pas l'éducation européenne to take you away from your house. Vous enlever de votre maison. Let me say it loudly here. Je vais le dire à haute voix. Children, enfants, do not let European or occidental education to take you far from your parents. Ne laissez pas la culture ou l'éducation européenne vous éloigner de vos parents. You need somebody to speak to you. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous parle. You need the word of God. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Parents, les parents, create atmosphere of peace in the house. Créez une atmosphère de paix à la maison. Don't provoke your children. Ne provoquez pas vos enfants. According to the Bible. Selon la Bible. But train them. Mais enseignez-les. Show them love. Montrez-leur l'amour. Show them the support. Montrez-leur le soutien. Show them that you are there for them. Montrez-leur que vous êtes là pour eux. And give them the right style. Et donnez-leur un style qui est correct. Amen. Amen. If you and I, si vous et moi, we are looking to raise, nous voulons godly élever children, des enfants, this selon how Dieu, we should do it. C'est comme ça que nous devons le faire. Can we stand up together, please? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout ensemble? I feel in my heart. Je sens dans mon cœur. I need to pray for somebody's here. Que je dois prier pour quelqu'un qui est ici. You make a wrong decision to your parent. Tu as pris une mauvaise décision avec tes parents. You disobey your parents. Tu as désobéi à tes parents. But the promise of the blessing. Et la promesse de la bénédiction. The Bible says you need to learn how to honor your parents. La Bible dit c'est que tu dois apprendre à honorer tes parents. Then you live longer. Alors tu vivras longtemps. Spiritually. Spirituellement. And physically. Et physiquement. Maybe you are here. Peut-être tu es ici. You hate somebody like. Tu hais. You hate. Tu hais quelqu'un. Tu es quelqu'un. You hate a pastor. Tu es un pasteur. Can I say to you? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Your ministry. Ton ministère. As long as you don't submit yourself. Aussi longtemps que tu ne t'es pas soumis. You not go anywhere. Tu n'iras pas loin. Maybe you are here. Peut-être tu es ici. You disobey your parents. Tu as désobéi à tes parents. I recommend you. Je te recommande. Go and apologize. Va, excuse-toi. The forgiveness. Le pardon. Is a power which liberates. C'est une puissance qui libère. I will give you my short testimony and I'm finished here. Je vous donne mon court témoignage et je m'arrête là. When I was 7 years old. Quand j'avais 7 ans. My mother and my father had a divorce. Mon père et ma mère ont divorcé. When I was 7 years old, quand j'avais 7 ans, my father sent me to boarding school. Mon père m'a envoyé à l'internat. And I went to study in the boarding school. Et je suis allé étudier à l'internat. From long way. Très loin.
We moved from Kinshasa capital. Nous avons quitté Kinshasa la capitale. And then we went to a province of Mbandaka. Nous sommes allés en Mbandaka. And when we reached there, et quand nous sommes arrivés là-bas, they sent me to a village where the boarding school was. On m'a envoyé dans un village à l'internat. Could you imagine? Est-ce que vous pouvez imaginer? A young boy, un jeune garçon, was to be born in the capital city, qui est né dans la capitale. And they send you to go to study long way where your parents are not there. Et on t'envoie étudier très très loin là où tes parents ne sont pas. And I spent there 7 years by myself. Et j'ai passé là-bas 7 ans tout seul. Without seeing my mom. Sans voir ma mère. Without seeing my father. Sans voir mon père. And I grew up with anger inside of me. Et j'ai grandi avec de la colère à l'intérieur. I learned how to fish there. J'ai appris à pêcher là-bas. I learned how to hunter there. J'ai appris à chasser. In the forest. Dans la forêt. When every children that went back home after the during the holiday. Quand les autres enfants rentraient à la maison pendant les vacances. Me, I stayed there by myself. Moi, je restais là-bas seul. Nowhere to go. J'avais nulle part où aller. Because on that time. Et en ce moment. The telephone was not there. Le téléphone n'existait pas. On that time. À cette époque. The WhatsApp was not there. On n'avait pas de WhatsApp. You can send a letter. Vous pouvez envoyer une lettre. You are not no, you are not you don't know if they will receive it. Vous ne savez même pas si le destinataire recevra la lettre. And I developed myself. Et je me suis développé. Anger attitude. Une colère, une attitude de colère. Engagement because of my emptiness of lack of the father. Parce que il y avait un vide, il y avait un manque de père en moi. I say I need to learn how to defend myself. Je dis je dois apprendre à comment me défendre. I engage my life for karateka. Et je me suis engagé dans le karatéka. I did the boxing. Je fais le karaté et la boxe. Just because I want to be accepted in society. Parce que je voulais être accepté dans la société. And I grew up when I reached 14 years old. Et quand j'ai eu 14 ans. Man of God. Homme de Dieu. Can you believe that? Est-ce que vous pouvez le croire? My people, my friend. Mes amis. 14 years old. J'avais 14 ans. On those days there. À cette époque. They were getting married. Ils étaient en train de se marier. But in the village. Mais au village. And me too, I began to think about I just want to get married and stay here. Moi aussi, j'ai commencé à penser que j'allais me marier et rester là-bas. I had even a girl I proposed. Il y a même une fille à qui j'ai proposé de l'épouser. Please don't tell my wife this, okay? Il ne faut pas dire à ma femme, s'il vous plaît. Okay, I propose a girl. Follow me. Donc j'ai fait une proposition à une sœur. When I was 14. Quand j'avais 14 ans. And I said, I want to marry you. Je lui ai dit que je voulais l'épouser. Because the society I was living on that time. Parce que la société dans laquelle je vivais à cette époque. Everyone was doing the same thing. Chacun, tout le monde faisait ça. And it was not wrong for me to do it. Et c'était pas du tout mauvais pour moi de le faire. God is good. Mais Dieu est bon. Always when I look at that. Quand je vois ça. Hey. Hey. Where I will be? Est-ce que où je serai aujourd'hui? Hey, 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 hey. In the village. Je serai aujourd'hui au village. Why? Pourquoi? Because my mom. Parce que ma mère. And my dad. Et mon père. They abandoned me. Ils m'avaient abandonné. Then I make the wrong decision. Et j'avais pris la mauvaise décision. And when I reached 15 years old, et quand j'ai eu 15 ans, I moved out from there. J'ai quitté cet endroit. And I came back to capital city. Je suis rentré dans la capitale. And I went to our house. Et je suis allé à notre maison. I stayed with them for 6 months. Je suis resté avec eux pendant 6 mois. And I could not. Je ne pouvais pas. I said to them, I said no. Je leur ai dit non. I grew up without law. J'ai dit je. I grew up without any law. J'ai grandi sans loi. No one told me about do this or do this or do this or do this. Ah bah personne ne me disait quoi faire et quoi ne pas faire. But here now. Maintenant ici. It's getting the problem here now. Ça, voilà, c'est difficile. When I was 16 years old. Quand j'ai eu 16 ans. In Kinshasa. À Kinshasa. I rent my first house. J'ai loué ma première maison. That's me. Ça c'est moi. And I still have anger to my mom. Et j'étais toujours en colère contre ma mère. And my dad. Et mon père. I didn't want to see them. Je voulais pas les voir. I remember, je me rappelle, homme de Dieu. I was living in Kinshasa. Je vivais à Kinshasa. I can stay 3 days without food, but my parents are there. I said I will not go. Je pouvais rester 3 jours sans manger. Mes parents étaient là, mais je disais je ne vais pas aller chez eux. I had this anger. J'avais cette colère. Short story. Pour faire bref. When I became born again. Quand je suis né de nouveau. God said to me. Dieu m'a dit.
Go and apologize to your mom and your father. Va et excuse-toi auprès de ton père et de ta mère. Go and apologize. Va et excuse-toi, demande pardon auprès de ton père et de ta mère. Ask them to forgive you. Va et demande-leur de te pardonner. And I said to God this. Je dis à Dieu. No. Je dis non. Could we not like that? Ça peut pas être comme ça. They are the people who reject me. C'est eux qui m'ont rejeté. They are the people supposed to come to me and apologize. C'est en fait eux qui doivent venir me demander pardon. Why am I to go there? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois aller là? I say, I would not to go, God. Je dis, je n'y vais pas, Seigneur. God said you have to go to apologize to your mom. Dieu m'a dit tu dois aller demander pardon à ta mère. I said no. J'ai dit non. One year. Un an. God said you have to go to apologize to your mom. Dieu m'a dit va demander pardon à ta mère. I said no. J'ai dit non. They're the people who reject me. Ce sont eux qui m'ont rejeté. Their divorce caused me to be who I am today. C'est leur divorce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. If today I used to be a bad boy. Si aujourd'hui je suis un mauvais garçon. Because of them. C'est à cause d'eux. God said go and apologize. Dieu m'a dit va et demande After pardon. Years, après deux ans. And I set up my mind. Je me suis décidé. You know when I think about that always. Quand je pense à ça, chaque fois, I cry. Je pleure. Because my life wasn't that easy. Parce que ma vie n'était pas facile. But God led me to something. Mais Dieu en a fait quelque chose. God tried to train my life. Mais Dieu a commencé à enseigner ma vie. God wanted to show me humility. Dieu a commencé à me montrer l'humilité. Because I was so arrogant. Parce que j'étais tellement arrogant. I could not listen to anyone. Je ne pouvais écouter personne. I was the kind of person to say sorry to anyone. J'étais le genre de personne qui ne s'excuse jamais auprès de personne. I got to see my family. Je suis allé voir ma famille. And to say sorry. Et je suis allé leur dire pardon. Well, not that easy. C'était pas du tout facile. And I remember on that day. Et je me rappelle ce jour-là. I went. Je suis allé. To see my mom. Je suis allé voir ma mère. And my family didn't know that I became born again. Et ma famille ne savait pas que j'étais né de nouveau. And when I enter, et quand je suis entré, they just know that I'm a troublemaker. Ils savaient juste que j'étais quelqu'un qui cause du trouble. And when I went and see my mom, quand j'ai vu ma mère, since I was born, depuis que j'étais né, my mom never see me bowing down for any person. Elle m'avait jamais me mettre à genoux devant quelqu'un. And I went there. Et je suis allé. I saw my mom. Et j'ai vu ma mère. I said, mom. Et j'ai dit, maman. Forgive me. Je me suis agenouillé. Je lui ai dit, pardonne-moi. For everything I've done. Pour tout ce que j'ai fait. And when my mom looked at me. Et quand ma mère m'a regardé. She began to cry. Elle a commencé à pleurer. She said to me this. Elle a dit ceci. You are not the one who's supposed to ask for forgiveness. C'est pas toi qui dois demander pardon. I'm the one. C'est moi. And me and my mom began to cry. Et moi et ma maman, nous avons commencé à pleurer. From that time, depuis ce temps-là, I feel I was released. J'ai été libéré. Maybe you are here. Peut-être que vous êtes là. Your parents, vos parents, they done something like that to you. Ils ont fait quelque chose comme ça. But the promise of the blessing, mais la promesse de la bénédiction, is connected by honoring your parents, est connectée à l'honneur que vous donnez à vos parents. The promise of living longer, l'honneur de vivre longtemps, is connected by honoring your parents, est connectée à l'honneur que vous donnez à vos parents. My brother and my sister, mon frère, ma sœur, I will urge you, je voudrais vous demander avec insistance, go and apologize, allez demander pardon. The last one for my ministry. The last testimony for my ministry. Dernier témoignage de mon ministère. Before I become who I am today around the world. Avant que je ne sois qui je suis aujourd'hui dans le monde. There was a man of God by the name of Ntimba. The pastor will know the guy. Il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Ntimba. Le pasteur le connaît. When we were in the Lisala church. Quand nous étions à l'église de Lisala. He did something so bad to me for my ministry. Il a fait quelque chose de très méchant, mauvais pour moi et mon ministère. And I will never forgive him and I will never talk to him. Et j'ai dit que j'allais jamais lui pardonner et j'allais jamais lui parler à nouveau. And I was fasting for 7 days. Et j'ai jeûné pendant 7 jours. And God said to me. Et Dieu m'a dit. Go. Va. And ask forgiveness. Et demande pardon. Why just me? Pourquoi moi? I said to God, why always me? I'm the one who to start asking people forgiveness. J'ai demandé à Dieu, mais pourquoi c'est toujours moi qui dois aller demander pardon aux gens? God said to me. Dieu m'a dit.
I'm training you for the great things. Je suis en train de t'enseigner pour de plus grandes choses. The person who humbles himself. La personne qui s'humilie. Is a greater one who that humble himself. C'est celui qui est le plus grand. Maybe you are here. Peut-être vous êtes ici. You never submit your pastor. Vous ne vous êtes jamais soumis à votre pasteur. Now it's time. Maintenant, il est temps. Open your heart. Ouvrez votre cœur. Because you are family of God. Parce que vous faites partie de la famille de Dieu. Say, here I am. Dites, me voici. Man of God. Homme de Dieu. Forgive me. Pardonnez-moi. Can we pray, please? Est-ce que nous pouvons prier? Everyone close your eyes now. Que tout le monde ferme ses yeux. God is looking your heart. Le Seigneur regarde à votre cœur. Maybe you're a parent. Peut-être vous êtes un parent. You abuse your children. Vous abusez vos enfants. The way you talk to them. La manière dont vous leur parlez. Is not correct. N'est pas correct. Be a role model. Soyez un modèle. Show them the love. Aimez-les. Maybe you're a mother here. Peut-être vous êtes une mère. You're abusing your children. Vous abusez de vos enfants. The way you talk to them, la manière dont vous leur parlez, is not correct. N'est pas correcte. Learn. Apprends. How to talk to them. À parler à tes enfants. Maybe you're children, you're a child here. Tu es un enfant ici, peut-être. Learn how to submit yourself to your parents. Apprends à te soumettre à tes parents. We are building a new generation. Nous sommes en train de bâtir une nouvelle génération. How we shall change this country? Comment changerons-nous son pays? If in our home, si dans nos maisons, we are not changed. Nous ne sommes pas changés. My prayer is short tonight, today. Ma prière elle est courte, brève aujourd'hui. I just pray for the mercy of God. Je prie juste pour la miséricorde de Dieu. Over your life. Sur votre vie. I say I pray for the mercy over your life. Je prie que la miséricorde de Dieu soit sur votre vie. That everything you learn here. Que tout ce que tu apprends ici. You might apply it. Tu puisses aller le mettre en pratique. Maybe you are a new parent now. Peut-être tu es un jeune parent. Think about this. Pense à ça. What a plan you have for your children. What a plan you have for your children. Quel plan avez-vous pour vos enfants? Spend your time with them. Passez du temps avec eux. Be there for them. Soyez là pour eux. Train them. Enseignez-les. Prepare them. Préparez-les. To be able. À être capable. To confront the reality of life outside ou de confronter les réalités du monde à l'extérieur. Let the favor of God be upon your life. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Let the mercy of God be upon your life. Que la miséricorde de Dieu soit sur votre vie. Let my God bless you. Que mon Dieu vous bénisse. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus.